Après plusieurs démarches sans succès auprès du ministre de la Pêche, les femmes marieuses du port artisanal Petit Bateau ont manifesté leur colère ce mercredi devant la mairie de Kaloum. Elles accusent le patron de Sony Pêche de vouloir occuper leur espace de vente. Sony, c'est une grande place. Ça appartient à Corentin. Mais les femmes de Corentin, les jeunes de Corentin, les hommes de Corentin, nous avons cédé le Sony. C'est avec Ali Saadi. Pourquoi aujourd'hui, le matin, il a fermé là où nous on débarque, en disant que nos glaces ne rentrent pas là-bas. Que c'est Ali Saadi qui a donné le consigne qu'il voulait construire là-bas. Si l'État nous montre quelque part, là où on part, on va quitter. Mais de nous chercher comme ça, de nous prendre sur nos terres, qui nous a vu naître comme une étrangère, c'est l'inquiétude là que les femmes ont. Parce que notre ministre, on est maintes fois passé là-bas, même la semaine passée, j'ai envoyé une lettre. Il ne nous regarde pas. On est mépris dans la pêche. Ces femmes se disent inquiètes de leur sort si jamais elles perdent cette place qui les permet de nourrir leur famille. C'est pourquoi elles demandent l'intervention personnelle du chef de l'État dans cette affaire. Notre cœur, ça saigne aujourd'hui. On demande le président, à l'immédiat, il n'a qu'à nous répondre. Le président même n'a qu'à venir au Petit Bateau de vérifier les faits. Il y a les places, à Petit Bateau. Il ne faut pas que les Libanais nous cherchent là-bas. Le monsieur le président est là. Pour que nos enfants partent à l'école, c'est à Petit Bateau. Pour qu'on mange, c'est à Petit Bateau. Le Petit Bateau a dressé beaucoup de jeunes à Corentin. On n'a qu'à voir les femmes, les veuves, les vieilles, les petites filles qui entraînent de se débattre là-bas. Et la République de Guinée. Où on va? Regardez-nous. Les intellectuels de la Guinée, regardez-nous. Les autorités de la Guinée, regardez les femmes. Les femmes souffrent. Sur les lieux, la représentante de la commune venue constater les faits n'a pas voulu se prêter à nos questions. Elle dit ne pas avoir l'autorisation de ses chefs hiérarchiques.